monde, bienvenue sur News Haiti Dead Ceiling. Eh bien, vote la fête hier au niveau des chambres députées. Et malgré, en fait, comme nous, c'est première étape là, ça, bien, ça a lié, c'est 222 pour 212 contre. Donc, chambre députée a fait travail, l'élevé Dead Ceiling, là, ou encore, nous avons appelé le Dead Limit, ils ont causé quitter, mettre la pérèse, la carampe, le monde, mon cap travail dans l'État, le monde qui n'a accepté business. Lorsque vous connaissez qui dégâts, lorsque eh bien, les États-Unis pas arrivé à payer des lits, pas de compte de terme, lorsque vous avez un corps pour être capable de financer des séries d'activités, institutions clés dans la vie nationale. Mais pas du tout que la Chambre des députés a été tout profité et voté, ça n'a pas et Pentagone, comme pour Pentagone en défense bill, qui a à peu près 770 milliards de dollars. Maintenant, vote qui était fait dans la Chambre des députés, toujours est-il qu'un seul grand républicain, désormais Adam Kinzinger, qui était joint avec démocrate, bon, forme Adam Kinzinger, il va prendre l'élection en 2022. Après, grand pile vote qu'a fait, c'est lui-même seulement que républicain qui retrouvait démocrate. Donc, on dit mesure ça, il peut aller dans le Sénat. Le Sénat, c'est côté balaté pire. Mais ça passe au niveau du Sénat, et bien, il se trouve que il y a une grande première, et bien, arrivé à un deal qui fait entre Mitch McConnell et Schumer, bah, qui va faire passer nous. Et qui j'en dit ça? C'est que et Mitch McConnell dit, bon, ok, il n'y a style pas voté d'être Céline. Ça, quoi le fait? Il n'y a pas d'accord voté, quitte en fait, une loi, pour que une seule fois, attendez bien, pour que une seule fois, et majorité simple, augmenter d'être Céline. Ça, t'avais dit. Et ça vous comprendre dans les marchas et ça protège les sénateurs républicains puisque vous avez toujours dit vous pas voter, vous pas voter. Donc là, le vote là, la paraît l'aide. Donc ça vous dit vous pas voter pour nous là, vous pourrez voter pour quitter les démocrates ou voter pour contre. Par contre, si vous comprenez la technique là, il a voté pour permettre que les démocrates capables, en fait, gain pouvoir. C'est normalement sans ça, les démocrates n'ont pas gain pouvoir avec cinq majorités pour augmenter des cilindres. Mais par contre, le Sénat doit décider de changer le règlement. Et c'est ça qu'il fait là. Donc, il y a besoin de 10 sénateurs. Il y a assez de sénateurs républicains qui manifestent volonté pour que vous quittez les démocrates pour continuer à arriver à voter, causer des ceilings. Mais il faut tout que Schumer a déjà dit lui-même qu'il pourrait mettre un bon valet pour que pour 2022, en d'autres termes, pour Dead Ceiling n'a pas retourné sous terrain encore en 2022 pour le passé quitter élection en derrière pour que non en fait si vous imaginez vous t'as rentré dans le mois de novembre mais c'est laissé pour le gain débat sur Dead Ceiling son problème donc il va mettre assez l'argent pour que vous capable de traverser une période électorale là nous connaît qui va le faire dans fin 2022 et donc on dit nouvelle loi ça. Et avec 600 votes en Sénat, ça veut dire 50 et démocrates, 10. En fait, il y a besoin pour pipiti 10 sénateurs républicains pour aller créer ça. Nous avons fast track pour faire process bien rapide de manière temporaire. Ça va permettre aux démocrates d'agir pour contre pour augmenter les Céline avec seulement 51 votes. Et maintenant, fin de tout, législation, ça va l'obliger. Préciser et à chiffre combien il va lever des cylindres, si c'est 30 millions et autres. Et gagner Yélène Janet, qui est ministre du Trésor, et lui dit que 15 décembre, et c'est dernier limite, li bay, si c'est pas ça pour gagner, catastrophe, pour ça nous relève, on free fall pour les États-Unis. Donc, lorsqu'on est dans un cliff, ou bien dans un beau château, et puis on va tomber, c'est son illustration de ça qui a privé les États-Unis, ça qui tape à l'arrivée, si yo pas voté et causé ça. Mais attention, on va être clair sur ça. C'est vrai que on dit, mais en matière politique, c'est l'or fait le qu'on aime. Donc il faut que et c'est l'or concrétiser le qu'on aime. Parce qu'il y a besoin d'abord comprendre bien 60 votes qui pour changer l'or, qui permettent que 50 sénateurs démocrates arrivent, levés. Dead Ceiling nan, et pour contre
Ma konnen lwa se ke y ap ven ase de republikan pou fè sa, pwiske dosye a konpran jan li, li yon ti jan kompleks. E fon dou ke yo bay ma konnen lan pil presyon, genyen ki di ma konnen lache, ma konnen l bay vague, ma konnen l bay presyon, pase l de di li pa bagay, donke yo an pil la den, pwan se ke ma konnen l e abandonne ankor de trè tò. Et gen d'autres qui même dit ou pas quoi, par exemple Instagram dit pas quoi, il y a 10 sénateurs républicains qui pourraient permettre que les démocrates lever des cylindres. Et en tout cas, faut nous d'accord que et son situation qui est difficile et que c'est effectivement lorsque votre ça a fait et vous nous connaissez, mais il est clair que il y a un ensemble de républicains responsables qui pensent que c'est ce qu'il faut faire parce que yo pa ka kite yon grande puissance tant que les États-Unis défaut sous à cause de dette que li gagnen. Et donc plan de suivant plan à la fois et chambre des députés à sénat et a gagnen pour yo voter il ça pour yo créer on bien dit one time process ça voilà que c'est seulement en 2021 la ka fait donc il dit que comme en 2022, yo pap ka aplike parce que son loi yo voté de manière spécifique pour 2021 pour capable sorti nan sa yo yé là. Et donc voilà guys, justement, c'était update ça que nous te gagné pour vous. Et mais bien avant faut dire que gen en pile inquiétude nan mitan et républicain. Mais faut là de dire monsieur, même lorsque bah la fait normal, non pas capable quitter les États-Unis de faux. Non pas capable quitter une grande puissance comme ça de faux sous des tout, c'est inacceptable. Donc qui vient faire que malgré des accords qui gagnent en différentes parties, ils choisi faire ils ont collé les épaules tout au moins pour empêcher que une grande puissance comme les États-Unis ta des fautes sous dette que les gagnent et à l'égard de diverses institutions. Donc moi c'est que sous base ça n'a pas gagné non et n'a rien pour nous rencontrer encore.